Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Forza Motorsports. Donc nous allons découvrir les nouveautés de la semaine, bien qu'il n'y ait pas grand chose. Alors, au niveau des voitures, pas de réduction particulière. Enfin, pas de voiture mise en avant particulièrement. Alors, au niveau du mode carrière, donc l'Open Class Tour va laisser sa place. Hein. Un nouveau championnat, c'est italienne, je crois. Je n'ai pas regardé exactement. Et pareil, là, pour en vedette, il va y avoir des changements la semaine prochaine. Parce qu'il y a une grosse mise à jour la semaine prochaine. Après, au niveau du multijoueur, donc les épreuves spéciales, donc c'est des voitures des années 60. Et au niveau des épreuves ouvertes, donc c'est des voitures de classe S. Alors, qu'est-ce que j'ai comme circuit? On va faire Limerock Park, parce que je ne l'ai pas fait avec ça. Et j'ai déjà fait Spa, donc j'ai pas trop envie de faire Spa. Donc on va attaquer par les fameuses voitures des années 60. Limerock Park. Elles sont assez difficiles à conduire là. Première course, j'étais un peu désabusé. Voilà, alors je vais faire fin des essais. Spécial 18 tours. Mais on peut mettre que 5 tours au minimum. Alors là, 18 tours, ça va être intéressant. Bon, je lance quand même les essais pour faire un tour. Voilà, nous voilà à la course. Alors, je me suis qualifié normalement P7, bon, sur seulement 11 voitures. J'ai bien fait de faire un peu de tour de qualif. Donc, alors, mettre combien de tours? C'est 8 ou 10? Et je vais faire 8 tours parce qu'il faut au moins s'arrêter. Mais là, ça fait 2 arrêts au stand. À 10 tours, ça en fait que. Donc, je tente. Je suis bien 7e. Thank you.
Thank you.
mais j'ai perdu deux places sur le coup. J'étais bien passé à un moment donné. Et, donc voilà, mais c'est tendu à conduire quand même. Bon, j'ai fini top 10, mais bon, on était qu'en 11 en course, donc c'était pas compliqué là. Surtout que le dernier, j'ai doublé le dernier d'ailleurs. Donc. Allez, on se retrouve sur la prochaine course. Bon, allez, c'est parti pour la classe S. Alors, j'ai une Ford GT que j'ai déjà utilisé, j'ai upgradé. Et dernière course, j'ai utilisé une 911, pareil, que j'ai upgradé. Donc, je vais utiliser. Alors là, l'Audi R8 V10, je ne l'aime pas du tout. Donc. Je vais prendre. Je vais continuer à faire progresser l'Aston Martin. Sur le tracé du Grand Oak Club, la vitesse est cruciale dans la majorité des virages. Alors, vise les points de corde et évite de déraper. Allez, on se retrouve pour la course. Allez, c'est parti pour la course. Donc, bon, là, j'espère pas grand chose. Parce que ce circuit, j'ai vraiment. Je le connais pas beaucoup et j'ai vraiment du mal. Alors. Mais c'est pas vrai. Voilà, c'est un circuit que je connais très peu. Bon, j'ai du mal à rouler dessus et voilà, l'Aston n'est pas réglé. J'ai même pas fait évoluer du tout, et en plus c'est une portion coupée. Moi j'ai jusqu'à maintenant j'ai fait que le grand circuit. Alors, ça m'est arrivé de continuer sur le grand circuit, mais bon, c'était fermé, donc je me suis trouvé face à un mur. C'est incroyable. Donc là je vais essayer de pas prendre de pénalité surtout. Thank you.
peu avec mon Aston. Ouais, il était mieux placé que moi. Hein. Il arrive vachement rétrogradé. Une double avec la Volvo Break, Storm. Et voilà, qu'est-ce que je disais. Mais c'est incroyable de se planter là, hein. Alors, les premiers qui me rattrapent déjà. On est cassé un tour. Enfin, je suis cassé. Non. J'aime bien les Aston, mais là... dans les temps à l'arrivée.
c'est pas croyable. Incroyable que je me trompe là sur plusieurs fois. Hein. Encore, mais et j'en veux, c'est une fixation, hein. Incroyable, incroyable, incroyable. C'était laborieux. Dernier. Nous avons terminé P13. Incroyable. 9,53, c'est... Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, il n'y a pas grand chose comme nouveauté cette semaine. Vivement la semaine prochaine. Grosse mise à jour avec des rattrapages de bugs, même si... AMD a déjà fait une mise à jour driver, ça a nettement arrangé la chose, mais il y a toujours quand même des plantages donc sur un jeu de cette époque, de cette année à ce prix-là, voilà, c'est, on n'a pas le droit d'avoir des bugs pareils, c'est pas possible. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, donc si vous aimez, si vous l'avez aimé ou pas du tout, pouce bleu vers en haut, pouce bleu vers en bas. Et donc, n'hésitez pas à la commenter et bien sûr, ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner pour avoir, voilà, la semaine prochaine, il y aura une vidéo avec pleine mise à jour du coup, enfin avec une grosse mise à jour, l'ajout d'un circuit... de plusieurs voitures et puis voilà, en espérant une donc de nouvelles courses bien sûr pour le mois qui arrive à notre carrière et puis voilà plusieurs un peu plus de variété dans les un peu plus de courses de en multijoueur, je pense que ça serait bien parce que bon voilà, bon c'est bon touring car Forza GT, bon c'est pendant... Oula, Forza GT, j'aurais bien voulu faire ça. Donc voilà, allez!
Salut!